Je m'appelle Lucas, je suis étudiant en troisième année à Télécom Paris, en cursus ingénieur. Ce que j'ai le plus apprécié dans le summer camp, c'est de pouvoir être entouré d'étudiants de profils très divers, notamment d'écoles tunisiennes. Donc on était 9 étudiants d'écoles françaises, de Télécom Paris, Télécom Sud Paris, ou même d'écoles de commerce. Et on a été entouré de à peu près 80 étudiants tunisiens, avec lesquels on a pu échanger, partager des idées, former des équipes sur des projets d'entrepreneuriat ou d'ingénierie, et à la fin présenter des solutions super enrichissantes, super innovantes sur des problèmes concrets. Principalement pendant les sorties qu'on a pu faire à Tunis avec les autres étudiants d'école française. Il faut savoir que parmi les étudiants d'école française, il y avait plusieurs Tunisiens qui ont pu nous guider dans la ville et nous faire découvrir un peu leur culture. Et ça a été super de pouvoir visiter les lieux un peu emblématiques de Tunis, notamment le souk qu'on a pu visiter, dans lequel j'ai beaucoup de bons souvenirs maintenant avec ces nouveaux amis que j'ai pu faire. Certains ne parlaient pas forcément français, certains parlaient uniquement l'anglais et l'arabe. Donc la communication n'était pas forcément simple au début, mais ensuite on a appris à se connaître, on a appris à partager nos idées, et je pense qu'à la fin tout le monde s'entendait très très bien. Pendant le summer camp, on a eu à développer donc nos propres solutions entrepreneuriales et faire une sorte de micro-maquette de nos solutions. Ce qu'on a dû faire notamment, c'était donc d'implémenter nos solutions, de créer des sites web pour nos solutions, etc. Et moi, le développement web, c'est quelque chose auquel j'avais jamais touché, par exemple. Donc j'ai pu y toucher. J'avais, par exemple, plus d'expérience en intelligence artificielle auquel on a aussi pu toucher, mais du coup, je me suis vraiment focalisé sur les choses que je ne savais pas faire, notamment le développement web. Dans le logement où on était avec tous les étudiants français, on avait la chance d'avoir une piscine dans laquelle on s'est tous fait jeter au moins une fois à l'intérieur, tout habillé, parce que c'était un peu le délire de groupe qu'on avait.